On habitait à Saint-Sever et puis on avait deux pièces, enfin une cuisine, une chambre. Bah, j'attendais mon troisième enfant. Donc Clémadère, c'était notre premier appartement assez grand pour toute la petite famille. Et j'ai eu trois autres enfants après. Alors, quand je suis arrivée, c'était calme, c'était un bon quartier pour gens pas tout à fait pauvres, mais un petit peu en dessous de la pauvreté. Et au fur et à mesure des années, bon, bah, les immeubles se sont dégradés, les gens ne se parlaient plus. Bon, moi déjà, personnellement, comme je ne parle pas beaucoup à mes voisins, je n'ai pas eu ce problème-là, parce que personne ne rentre chez moi, je suis chez personne comme ça. Mais ça, c'est mon tempérament personnel, donc c'est pas vu du quartier. On a déménagé parce qu'on habitait au 12e et mon mari n'aimait pas trop les étages, donc on est venu à la banane. Mais avant que le Clémadère soit démoli. Et on est resté un an et demi à la banane pour aller au Farman. Vous étiez mieux à la banane que au Farman ? Ah oui, c'est mon ex-mari qui a décidé, donc nous on était obligés de suivre. Hein. À la banane c'était clair, c'était aéré, c'était que Farman c'était triste. Lui ce qu'il aimait bien c'était ce qui était Rabelais, petit, comme l'appartement était à son nom, donc comme lui il a fait une mutation. Mais il nous en avait pas parlé avant. Une fois qu'il avait signé les papiers, on n'a qu'à suivre. C'est vrai que ça fera bizarre quand il sera plus là. Donc le Farman, c'est le premier immeuble où on a mis les pieds pour aller voir le gardien pour visiter l'appartement au Farman. Il est pourri. Ouais. Ça. Et c'est depuis qu'ils l'ont rénové qu'on était moins bien qu'avant. Les travaux étaient mal faits et en dessous il y avait des infiltrations d'air, on sentait l'air passer. Il avait changé toute la tuyauterie, bon bah on se disait on va être bien. Les tuyaux se bouchaient, les ascenseurs qui ne fonctionnaient pas. Bon, ils ont mis les boîtes aux lettres à l'extérieur et ils ont été vite dégradés. En voyant tout ce qui allait plus, les gens auront habitat aussi à laisser se dégrader de plus en plus. Je pense que manque de moyens aussi. Je me suis jamais bien sentie dans l'appartement. 20 ans Non, 10, 15. 15 dans un appartement qu'on n'aimait pas. Tous les immeubles où j'ai habité, il y a toujours un petit bout qui a été démoli. Bon, bah, le Farman, il va être descendu. Donc, alors j'espère que celui-là, ils se resteront entiers parce que c'est l'appartement que je me sens le mieux. Il est petit, il est bien aménagé, je me sens bien dedans. Je suis en pleine ville, mais j'ai la nature en face. C'est mon petit coin de paradis, les sapins. Ça fait 6 mois que je suis là, ça fait 6 mois que je suis heureuse.